Sonic, comme je le déteste. Et j'ai concentré toute cette haine dans cet invincible instrument de destruction. Chaque défaite, chaque humiliation que m'a infligé ce maudit hérisson lui sera rendue au centuple par mon invincible classe. Mon rêve va enfin se réaliser. Grâce à cette brillante invention, je vais pouvoir repousser les frontières de Eggman Land et dominer le monde. Moi, tu vas trop rigoler pas cette fois-ci. Sonic, les forces d'Eggman envahissent la ville. On a besoin de toi ici. Tiens bon, Tails, j'arrive. Oui, grâce à toi, Sonic. Mais cette fois, c'était moins une, mon pote. Ouais, j'aime bien faire dans l'in-extremis. Très bien. Il est grand temps d'en finir, Eggman. La fin est plus proche que tu ne le crois, Sonic. Admire plutôt la toute-puissance de mon ultime Shadow. Shadow, c'est toi? Zavok? Metal! Chaos! Rien ne pourra arrêter l'armée d'Eggman. Sans Sonic, le peuple perd espoir et cède à la panique. Nous n'avons pas le temps de paniquer. Je rêve toujours que Sonic revienne. Vous croyez qu'il est... Je suis optimiste, mais je suis aussi réaliste. Sonic nous a quittés, Amy. Et Tails, il a complètement perdu l'esprit. Si on veut triompher, il va falloir se passer d'eux. Silver a raison. Ça fait 6 mois qu'on attend qu'un miracle se produise. Mais j'ai bien peur qu'on doive le provoquer nous-mêmes. L'armée d'Eggman terrifie tout le monde. Si nous voulons que les gens se reprennent, il faut leur montrer que la force ne provient pas forcément du nombre. Tout le monde n'est pas terrifié. On ne peut pas avoir une nouvelle recrue aujourd'hui. Si, un survivant de la ville, n'est-ce pas? Je vais consulter le fichier. Knuckles, quel est le bilan, mon commandant? Je suis content de vous trouver en vie, les gars. Les troupes d'Eggman ont réussi à abattre notre défense, à Green Hill. Et d'après le rapport de la Résistance, quelle que soit la chose qui a vaincu Sonic... Ah, désolé, j'ai toujours du mal à me faire l'idée. Bref, ce truc a l'air de leur ficher une trouille monstre. À tout le monde, sauf à notre futur recrue, qui a survécu à la bataille et est arrivé ici, sain et sauf. Je vous présente donc notre nouvelle recrue. Tu fais pas de mine, tiens. Bah, toi non plus, Charmy. Et pourtant, ton dard nous a sauvé la mise à plusieurs reprises. Tiens, vas-y, prends ça. On compte sur toi, maintenant. Bien, il est temps d'y aller, les amis. Le monde va pas se sauver tout seul. D'accord. Ouais. Recevoir une nouvelle incroyable. Sonic est en vie. Incroyable. C'est sublime. Oh, quel soulagement. Je le savais, j'en étais sûr. Il est retenu à la prison en orbite. Un espion là-bas indique qu'il est enfermé dans une cellule de confinement et qu'il est torturé depuis des mois. C'est horrible! Il faut lui porter secours! C'est ce qu'on est en train de faire, Amy. J'ai une équipe en chemin pour le port spatial dans l'usine chimique pour emprunter une navette. Allez, les amis, qui est partant pour une évasion de prison à l'ancienne?
J'aurais dû marcher. J'ai pas pu trouver les infos qu'il fallait. Désolée de pas avoir été à la hauteur. Chaos! Sonic, à l'aide! Autre dimension, je me trompe? Mais oui, bien sûr, c'est forcément ça. Enfin, je crois. Mais comment t'es arrivé là? Peut-être que le pouvoir qu'Eggman utilise affecte aussi d'autres dimensions. Et on pourrait tourner ça à notre avantage. Parce que ça peut pas être un simple hasard, pas vrai? On doit sauver le monde. Et c'est peut-être pour ça que tu es apparu, pour nous aider à le sauver. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir, Sonic. Ça, ouais. Et peu importe la dimension d'où tu viens. Le radar détecte Eggman droit devant. Il pourrait y avoir des ennemis à la vue. Alors fais attention. J'ai comme l'impression qu'Eggman va nous faire un coup fourré. Nulle raison de résister. Ton sauveur. Je peux goûter ta terreur. Toute cette angoisse, ce doute. Quel délice. Succombe à la peur. Fuis en hurlant et je te laisserai la vie sauve. Knuckles, tu m'entends? Rouge, il était temps. Comment va Sonic? Il a connu mieux. Il s'apprête à le catapulter dans l'espace. Quoi? C'est impossible! Eggman a gardé Sonic en vie pendant tout ce temps, dans le seul but de lui montrer son emprise complète sur le monde, avant de le catapulter. Et il torturait Sonic pour passer le temps. C'est vraiment bas, même pour Eggman. Eggman a eu vent de notre plan de rescousse, et en réponse, il a avancé la date de son projet. L'heure approche, chef. Mais nous ne savons même pas où il est retenu captif! Si, on sait! Eggman a reconstitué son Death Egg. C'est là qu'il garde Sonic. Le Death Egg? Mince alors! C'est pas bon signe! Y a aucun bon signe dans tout ça, Vector. On n'appelle pas ça une guerre pour rien. Vous savez tous ce qu'il vous reste à faire. Allons sauver Sonic! Nos autres forces sont en train de combattre l'ennemi. On dirait que t'as pris le meilleur chemin. La survie de Sonic dépend de toi. Trouve-le! Oh, ils ont sonné l'alerte rouge. Je sens la présence de Sonic. Il est proche. Tout est fini, Sonic. Hé, secoue-toi un peu, t'as compris? Parce que le sol tremble. Oh, laisse tomber, t'as aucun sens de l'humour. Wow! Alors, comme ça, c'est la fin. Je vais te montrer ce dont je suis capable maintenant que je suis libre. Petit hérisson stupide. Ce n'est pas parce que je t'ai ôté tes chaînes que tu es libre pour autant. Alors approche et viens affronter ton destin. Ah, mon destin, c'est de te botter les fesses, rien d'autre. J'ai hâte de voir combien de temps tu tiendras face à ça. Viens te battre en personne et je te passerai un savon. Misérable avorton, je vais me délecter de te regarder ici. Non! Comment ai-je pu à nouveau perdre contre vous? C'était super! Apporte des beignets la prochaine fois! Encore ce son étrange? Waouh, je crois que c'est pas le moment de réfléchir, je ferais mieux de mettre les voiles! Ils ont dû découvrir mon évasion. Tant pis, c'est l'heure de dire adieu à cet endroit! Wow, on est dans l'espace! Je suppose que c'est ce qui arrive à tout le monde qui contrarie Eggman. Pas moyen que je choisisse ici, je peux courir nulle part! Thank you.
vraiment pas de main morte. Enfin, peu importe, tant qu'il ne touche pas, tant faut y aller. Mon grand, tout va bien. Est-ce que tu es là pour me sauver? T'imagines pas à quel point ça me fait plaisir. Ça faisait un bail que j'avais pas vu de visage allié. Hé, hey, la recrue, tout va bien pour toi? Ouais, évidemment. Je comprends même pas pourquoi tu poses la question. Amy, calme-toi, Amy. Il y a une sortie dans le coin. Mais ce sera pas pour toi s'ils sont pas très fortement en vitesse. T'es si mignon quand tu t'inquiètes, Knuckles. Te savoir en vie est la plus grande nouvelle qu'on ait eue depuis des mois. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Nos renseignements indiquent qu'Eggman a une usine d'armes à Green Hill qui le fournit en munitions. Une usine? Nous ne pourrons pas anéantir la base d'Eggman à Metropolis s'il a une usine pour le ravitailler. Sans blague. Écoute, Sonic, je sais que tu viens tout juste de rentrer, mais on a besoin de toi. Tu peux t'en occuper? Il faut détruire cette usine à Green Hill. Prends la nouvelle recrue avec toi. Tu es sûr? Notre nouveau soldat tremblait comme une feuille pendant tout le temps qu'on était au Death Egg. C'est parce qu'il fait froid dans l'espace, alors qu'il fait chaud dans l'usine. Il fera chaud quand on aura tout réduit en cendres. Sonic, tu prends la tête. La recrue, prends des notes sur le terrain. Ça me va, ça fait 6 mois que la revanche me démange. Ça va être un bon début. L'usine ennemie est dans la pyramide. Je peux envoyer des renforts si tu veux que tu aies la coupe. Inutile. À nous deux, ce sera bien suffisant. On va faire exploser le site et ouvrir un passage pour la résistance. Pas vrai, partenaire? C'est l'heure de faire équipe, toi et moi. Peu importe les obstacles qu'on mette sur notre route, on estimera tout ce qu'ils nous enverront. Nous questionnons! Ouais, c'est du beau boulot! On est super rapide et dans les temps. On a qu'à continuer comme ça. Bingo, voilà une entrée. Tu devrais pouvoir rentrer dans l'usine par là. Sois sur tes gardes. On va se marrer. C'était du gâteau. Et dire que je me faisais du souci. Quelque chose attaque dans la jungle mystique. Silver se bat contre lui, contre cette chose. Enfin bref, dépêche-toi. Les amis, c'est lui. J'ai hâte d'affronter ce type une seconde fois. Force d'Eggman largue leurs bombes comme des confettis. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'espace tout entier est sous les feux. Et pas le genre de feu d'artifice que j'aime. On est fichu. On va tout pouvoir tenir. Vous avez déjà fait un super boulot. J'ai réalisé cet ennemi à coup. Il est dans les lignes droit devant. Super. Je vais m'assurer que votre effort n'ait pas été en vain. Forme de vie non identifiée et détectée. Quelque chose qui vient de la jungle. J'imagine que les explosions l'ont remonté. On dirait qu'il va falloir se battre pour passer. Tu vas vraiment le regretter. Les hérissons se tirent très mal. Ce n'est pas ce qui était prévu, mais je me ferai une joie de t'écraser. Cela servira d'exemple et sera la preuve qu'il n'y a plus d'espoir. Je crois bien qu'il y a que toi qui crois à tes mensonges, mon vieux. Tu verras bien par toi-même. Je crois que tu devrais faire une pause, Silver. Je prends la relève. Regardez-moi ça. Devinez qui revient dans les mains. Le petit sauveur bleu. Oh, mais je connais cette odeur. Tu sens la peur à plein nez. Je suis flatté de t'avoir marqué à ce point. Non, je sens pas la peur, c'est juste que j'ai couru pour venir. Et je crois pas que tu m'aies marqué non plus. Je sais absolument rien de toi, pas même ton nom. Tu peux m'appeler Infinite.
pour le peu de temps qu'il te reste à vivre. Oh, génial! Tu vois, Infinite, ça y est, on commence à se connaître. Alors, c'est quoi ta couleur préférée? T'aimes les balades romantiques au clair de lune? D'où tu tires ton pouvoir? Tu peux oublier les deux premières questions, si tu veux. La source de mon pouvoir ne te regarde pas. Désolé, mais je me dois d'insister. Il faut que tu me révèles le secret de ton pouvoir. Ton insistance est futile. Wow. Sonic, est-ce que ça va? Je vois que tu ne tiens toujours pas en place. Ça me tirera des goûts. Sérieux, t'as jamais vu de hérisson avant? Attends que je te montre mes piquants. Impossible. Tes compétences excèdent tes données précédentes. Contrairement au robot, je peux m'améliorer. Je suis plus puissant à chaque seconde. Je t'apprendrai à tenir ta langue à notre prochaine rencontre. Tu peux compter là-dessus. Eh bien, tu as fait des progrès depuis la dernière fois. Mais tu vas quand même perdre. C'est bien ce que je me disais. Tu ne vaux même pas la peine que je t'achève. Il faut à tout prix que je découvre d'où il tient son pouvoir. J'ai laissé tomber Sonic. Enfin, je veux dire le Sonic de ce monde-ci. Et le monstre d'Eggman l'a eu. Mais tu es là maintenant. C'est comme si le monde avait besoin d'un Sonic, n'importe lequel, pour garder son équilibre. Si on bat Eggman, cette guerre sera terminée. Et si on arrive à découvrir la source de son pouvoir, peut-être qu'on pourra te faire rentrer chez toi. Hé, le capteur a détecté Eggman. Dépêchons-nous. Avec cela, le traitement des prototypes de rubis fantômes est terminé. C'était un modèle défectueux. Il n'enregistrait que l'ADN de celui qui l'avait enclenché. Seul un être doté de mon immense volonté peut espérer l'activer. Peu importe, puisque le labo est barricadé dans la jungle mystique. À ce propos, tu n'aurais pas croisé Sonic là-bas après son évasion? Si, mais il était impuissant face à moi. Il est inutile de s'en soucier. T'as laissé le hérisson s'en sortir? Tu te rends compte des problèmes que ça va nous causer? Pour vous, peut-être. Il vous bat depuis des décennies. Mais moi, je l'ai vaincu lors de notre première rencontre. Des prototypes de rubis fantômes? Et Sonic est toujours vivant? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous passons à l'étape suivante. Bien sûr! Et une fois mené à terme, la résistance sera anéantie, le monde entier sera réduit à néant, et mon légendaire Eggman Land naîtra alors de ses cendres! Et la résistance ploiera sous la puissance du rubis fantôme. Tous se soumettront. Trois! Non, là, j'ai pas le temps pour ça! C'est mes propres calculs. Ah, même moi, je suis surpris par mon propre génie. Regardez-vous, comme si vous aviez une chance de gagner, comme c'est attendrissant. Et quand je pense qu'on n'en fera plus jamais cette petite danse tous ensemble, ça me rendrait presque triste. Dans à peine trois petits jours,
Mon plan infaillible éradiquera toute la vermine dans votre genre. Quoi? Dans 3 jours? De quel plan tu parles? Si je vous le disais, ce ne serait plus une surprise! Vous savez ce qu'on dit, l'appréhension de la fin est souvent bien plus atroce que la fin elle-même! Mais peut-être pas cette fois, Stanley. L'armée d'Eggman a percé les défenses! Elle a envahi la ville! Il faut qu'on évacue les habitants! Qui est-ce qu'on envoie? Sonic et Silver ont besoin de temps pour se rétablir. Nous occupons les forces armées à la colline du littoral. On n'a personne de libre. Ici l'unité 8! On est coincé sous le feu ennemi! Mince, on dirait que j'ai pas le choix. Bon, la recrue, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il me faut un rapport sur les personnes qui n'ont pas réussi à évacuer à temps. Ici l'espion. On bat les forces ennemies. On ne peut pas chercher les civils pour l'instant. La bataille est trop violente pour qu'on puisse vous aider. On dirait que tu es notre dernier espoir, la recrue. Pars à leur rescousse. Ce sont des robots d'Esteg. Ils sont attaqués à la chaîne maintenant. Ça sent mauvais. C'est sûrement trop à gérer pour la recrue. Et on peut pas les ignorer. Tu vas y arriver, hein, la recrue. Rapport du QG, l'ennemi est en train de fuir. Mission accomplie. Bien joué, tout le monde. C'était impressionnant, mais on a encore beaucoup à faire. Joli travail! Je savais qu'il te suffisait de croire en toi pour réussir. Belle technique! Mais si tu monopolises toute la gloire, tu vas me faire de l'ombre! J'arrive pas à le croire! Sonic est en vie! Je crois que j'ai épuisé les vœux qui me restaient, mais ça valait vraiment le coup! Dépêchons-nous! Il faut qu'on le trouve pour lui raconter le plan d'Eggman, même si je le comprends pas bien. Eggman a insinué que Sonic était dans la jungle mystique. Le système détecte des signaux étranges. Ils viennent du laboratoire, là où Sonic a affronté Infinite. C'est sûrement un autre robot d'Eggman. Deux signaux de vie. Pas des robots. C'est sûr. Hé, la recrue! Va au labo pour vérifier! On a détecté 2 signaux de vie près du labo droit devant! Ce sont pas des robots! Qu'est-ce qu'ils sont? Si ce sont des ennemis, les affronter tous les deux à la fois risque d'être très dur pour la recrue. Regarde-moi, je suis en pleine forme. Eh, on s'était pas vu depuis des générations. Ça roule. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu vas bien. La mauvaise nouvelle, c'est qu'Eggman a dit qu'il avait un plan qui lui permettrait de nous anéantir dans 3 jours. 3 jours, tu dis? Imagine ce qui peut se passer en 3 jours. Eggman dit que quand le plan arrivera à son terme, on sera tous anéantis. J'aime pas beaucoup ça. D'habitude, je me moquerais des plans d'Eggman, mais il a déjà presque conquis le monde entier, alors... C'est quoi son plan? Hé, hey, c'est pas que j'aime interrompre vos réunions importantes, mais on est attaqués! Shadow est en train de ravager nos troupes! Il nous faut des renforts! Shadow, la dernière fois que je l'ai vu, il se battait pour Eggman! Ça n'a pas de sens! Pourquoi Shadow aiderait l'ennemi? Peut-être est-il sous le contrôle de ce pouvoir étrange! Quelle que soit la raison, je vais la découvrir! Sérieusement? Pourquoi autant de robots d'Esteg? Je suis pas du genre à me plaindre, et c'est beaucoup, hein? Bien plus qu'on peut en affronter! Alors, Shadow, qu'est-ce qui t'arrive? Contrôle du chaos! Un autre Shadow? Il a disparu! C'était une réplique. Une réplique? Comment? Infinite peut créer des projections de réalité virtuelle. Elles sont dotées d'un corps et de mouvements, mais n'ont ni cœur ni âme. Une réalité virtuelle? Alors tous ces visages familiers dans les rangs de l'armée d'Eggman? De simples copies. Le problème, c'est que même si elles ne sont pas réelles, elles ont autant de pouvoir que leur version originale. D'après Rouge, Infinite peut en créer à volonté. Alors, combat après combat, il peut continuer à produire ses contrefaçons? Exactement. Dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons pas triompher. Bien sûr qu'on peut triompher, on réussit toujours. On n'a juste pas encore trouvé comment cette fois-ci.
Écoutez tous, on vient de nous informer que les forces d'Eggman sont en sous-effectif dans son quartier général de Métropolis. Elles sont sûrement postées ailleurs pour mener à bien le plan d'Eggman. C'est l'occasion rêvée de reprendre le contrôle de la ville. Exactement. C'est pour ça qu'on se concentre pour un assaut frontal de plein fouet sur Métropolis. Je l'appelle l'opération Vague Géant. Peu importe comment on l'appelle, ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie solide. J'ai passé une minute et demie à réfléchir à cette stratégie. On déboule en force et on s'arrête pas tant qu'on n'aura pas détruit l'armée d'Eggman. Sonic est occupé à affronter Shadow. Mais nous, on peut s'en charger. On a la force et la volonté de gagner. Je suis fier de me battre à vous. Ha ! Bien parlé ! Flanquons à Eggman une bonne vieille raclée ! Il nous surpasse en nombre, mais l'idée d'une attaque rapide et focalisée est bonne. Et on a aussi Sonic. Je veux dire l'autre Sonic. Donc, je me fais pas de soucis. D'ailleurs, si on réussit à détruire le rubis fantôme, on devrait pouvoir renvoyer l'autre Sonic chez lui. Enfin, j'espère. Je ne maîtrise pas trop ce sujet. Ok, rendons-nous au QG d'Eggman. C'est l'heure de sauver le monde. Allons-y. C'est parti pour l'opération Vague Géant. On va déferler sur l'ennemi et le balayer. Quelle absurdité! Qu'est-ce que ces minables peuvent faire contre mon attaque? Je vais les briser en mille morceaux. Infinite, active le rubis fantôme. Fais-le regretter d'être né. Restez calme. Ce que vous voyez est une illusion. Ça sert à rien. Notre troupe se disperse sous le coup de la confusion. Ah! Encore des insectes à écraser. Je me demande si ce monde a de vrais défis à m'offrir. Hein? Et pour toute réponse, le monde m'envoie un enfant terrifié. Vas-tu combattre et mourir ici, ou fuir de nouveau par la jetée? Mais non, recule pas! Allez, c'est ton heure de gloire! Allez, courage! Laisse pas la peur te submerger! Bien. Je vais t'apprendre la terreur, la douleur, et ensuite, eh bien, au moins la terreur et la douleur cesseront. Tu as dû te faire abandonner parce que tu as trop traîné le vent. Que derrière cette peur se cache une étincelle de l'effroi. Plutôt bien combattu. J'ai sous-estimé à quel point les faibles s'accrochent désespérément à la vie. Je me souviens de toi. Tu as fui devant moi. Tu as survécu alors. Et tu viens te sacrifier maintenant. Tu peux faire tes prières. Quoi? Comment est-ce possible? Insensé. Mais comment? La porte. Il ne leur reste que 2 jours. Qu'ils contemplent l'inévitable, jusqu'à ce que je mette un terme à tout ceci. Tout allait bien pour l'opération Vague Géante. Mais elle est tombée à l'eau quand le rubis fantôme a fait son apparition. La réplique de Shadow a été créée grâce au pouvoir du rubis fantôme, n'est-ce pas? Même si c'est une projection de réalité virtuelle, elle est aussi forte que le vrai. Rouge, as-tu trouvé les renseignements que je cherchais? Non, pas encore. Mais il paraît que la base de données d'Eggman se trouve à l'usine chimique. Si on y va, on pourrait peut-être trouver quelque chose là-bas. Ça, c'est une piste prometteuse. On doit découvrir le secret qui se cache derrière le pouvoir d'Infinite et la réalité virtuelle. Tails, tu peux t'en charger? Compris. Je vais me rendre à l'usine chimique avec Sonic. Je veux dire l'autre Sonic. Selon Rouge, il devrait y avoir une base de données quelque part. On doit localiser le bâtiment qui l'abrite. Alors c'est ici que la base de données se trouve. Attends un peu pendant que j'accède aux données depuis cet ordinateur. Alors, des plans de bataille perdus, des schémas de vieux robots... Waouh, il y a presque 10 téra de selfies. Où est-ce qu'il garde?
Bingo! Arme de réalité virtuelle, le rubis fantôme. Une arme qui prend le contrôle de la perception visuelle des gens pour envoyer au cerveau de fausses informations, créant une nouvelle réalité pour eux. Comme un rêve si réel que quand on scanne, notre vrai corps se fait un bleu. Difficile à croire. Eggman a fait beaucoup de prototypes, puis a transféré la version finale sur Infinite. Si je comprends bien ces données, il doit y avoir une faille. C'est super! Il faut que je raconte tout ça aux autres! Déteste me tourner les pouces. Mais y a rien à faire jusqu'à ce que Tails revienne. Quelle malchance! Metal Sonic a été aperçu en ville! Est-ce encore un faux? Pourquoi s'embêter à faire une réplique de quelque chose qui n'est déjà pas réel? Il pouvait pas se contenter d'en faire plus? En tout cas, il va pas faire long feu! Allons-y, partenaire! Attention! Metal Sonic a été vu pas loin de là! Étrange? Je le vois nulle part! Ouh! C'était moins une! Bon travail, partenaire! Continue comme ça! Pour toi. On peut pas laisser ces choses tout saccager dans la ville. Alors ça aussi, c'est à cause du rubis fantôme, hein? La nouvelle invention d'Eggman est vraiment pénible. C'était génial! Toi et moi, on forme un duo de choc! Face à un ennemi qui tient plutôt bien le choc. Sonic, j'ai trouvé! J'ai découvert un moyen d'arrêter le rubis fantôme d'Eggman! Bon travail, Tails! D'après ces signaux, le rubis fantôme a besoin d'une quantité incroyable d'énergie que seul le Death Egg peut fournir. On n'a qu'à simplement arrêter le transfert d'énergie et boum! Le rubis fantôme sera quasiment inefficace. Simplement. Aux dernières nouvelles, le Death Egg est lourdement fortifié. C'est vrai. Mais j'ai un plan. D'abord, on fait diversion. Quand Eggman ne fait pas attention, on utilise l'ordinateur de l'usine chimique pour s'infiltrer dans le système d'armement du Death Egg et on l'arrête. Sans armes, ce sera du gâteau de détruire le Death Egg. Et sans le Death Egg, le rubis fantôme sera inefficace. Tu sais quoi? C'est assez fou pour que ça marche. Alors... Pas question, Knuckles. Tu es trop facilement distrait. Ce n'est pas une bonne qualité pour faire diversion. En plus, tu es notre commandant. On a besoin de toi ici. Pourquoi pas la nouvelle recrue? Eggman s'y attendra jamais. Il se peut même que ça le déstabilise. Bonne idée. Voilà tes ordres, recrue. On n'a plus qu'un jour avant que le plan d'Eggman soit mis à exécution. Alors grouillons-nous. Il est temps de rentrer. Attention! Il y a une source d'énergie géante qui s'approche. On peut pas la laisser atteindre l'usine chimique. Détourne son attention tant que tu pourras à la recrue. Chimique. Comment se passe la diversion pour la recrue? Pour l'instant, tout va bien. Si la recrue s'en sort bien, faudra lui trouver un nouveau surnom. Ensuite, on doit trouver les ordinateurs à l'usine chimique et éteindre le système d'armement du décès. Parfait. Ça fait un moment que j'attends d'entrer en jeu. La recrue a fait un leurre parfait. Il
il est temps que tu fasses ton truc. On doit capturer l'usine chimique. Si quelqu'un essaie de t'arrêter, mets-le au tapis. Bien compris, ils vont rien voir venir. Je vais me diriger vers l'usine chimique. Je m'amuserais encore plus si c'était pas une mission. C'est bon, j'y suis. La salle d'ordinateur est droit devant. Tu devrais pouvoir couper le système de défense de Death Egg de là-bas. J'ai trouvé un chemin vers la salle d'ordinateur. Très bien. Maintenant, on peut détruire le Death Egg. Le système d'armement du Death Egg est éteint. C'est le moment ou jamais. Vas-y, vite. Détruis le Death Egg et coupe l'alimentation. À t'entendre, on dirait une promenade de santé. Je te rappelle que c'est un Death Egg. Ne t'inquiète pas, l'autre Sonic a la situation en main. Maudite soit cette résistance et ces petites manigances. C'est comme une tâche qu'on ne peut pas nettoyer. En tout cas, je crois qu'on peut dire qu'ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. Il faut avouer que c'est impressionnant. Eh, hey, moi j'ai pas de pied. Et toi non plus, mon pote. Pas la peine de me le rappeler, mon pote. Plus que 5 heures avant l'exécution du plan. Infinite, battons stratégiquement en retraite afin de mobiliser nos forces. Alors, battre stratégiquement en retraite, vous voulez dire... Fuir la queue entre les jambes, cela ne me plaît guère, docteur. Tais-toi et contente-toi de me suivre. Oh, attendez! Mission accomplie. Le signal du rubis fantôme s'est grandement affaibli. Ça devrait définitivement mettre un terme à l'arme la plus puissante du docteur. Les Sonic nous ont ouvert la voie. On ne peut pas gâcher ça. C'est le moment qu'on attendait tous. L'heure du règlement de compte. Maintenant qu'on s'est débarrassé du rubis fantôme, on peut réduire Eggman en bouillie. Hey, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Rouge a raison. Avec Eggman et Infinite toujours dans le coin, on peut pas baisser notre garde. Je veux seulement que tout le monde rentre sain et sauf, d'accord? Ok, très bien. Tenez-vous tous prêts. La cible, c'est Eggman dans la tour centrale. Maintenant, on se bat pour récupérer notre bombe. Regarde pas derrière. Concentre-toi sur ce qu'il y a devant, quoi qu'il arrive. Tout le monde est prêt? Chargez! Si on arrive à capturer Eggman, on aura gagné. Trouve sa cachette, Sonic! On te couvrira autant. D'accord? Poursuivre Eggman, c'est ma spécialité. Je vais le retrouver en un rien de temps. Il y a une bataille en cours. Tout va bien. On peut tenir pour l'instant. Notre force sont aussi en déplacement. On s'en sortira. Attention, prudence! Je détecte Eggman droit devant. Bienvenue, Sonic. Je suis content que tu aies pu venir à tes propres funérailles. Infinite, à toi! Prends ça. Mais c'est quoi ce... Ceci, mon très cher petit Iris, c'est une bulle de néant. Une bulle de néant? C'est un petit quelque chose que le rubis fantôme a concocté. Un espace totalement hermétique où absolument rien n'existe. Adieu, Sonic, mon très cher rival bientôt éradiqué. Je te laisse profiter du néant. Mais pourtant, on a détruit la source d'énergie du rubis fantôme. Puisque vous détruisez toujours la source d'énergie de mes armes, j'ai décidé d'apprendre de mes erreurs. J'ai fait construire une alimentation de secours sous Métropolis. C'était pas là qu'on était censé atterrir. Rentrons, tout le monde nous attend. Double turbo! Continue, partenaire. Rien ne peut nous arrêter quand on est au max. Pas même le néant. Ça gaze, tout le monde? Cet endroit m'a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé, Sonic? Vous avez tous les deux disparu d'un coup. C'est rien passé, du tout.
Partons à la recherche d'Eggman. Excusez-moi. Patron. Quoi? Non, impossible! Personne ne peut s'échapper de la bulle de néant du Rubis Fantôme! Et je n'aurais peut-être pas pu m'en échapper non plus sans l'aide de mon ami. Mais ça, tu ne pourras jamais le comprendre parce que toi, tu n'as aucun ami. Ça ne change absolument rien. Sache que le Dr. Eggman aura toujours le dernier mot. Peut-être qu'il aurait plus d'amis s'il arrêtait de parler de lui à la troisième personne, non? C'est parti! J'avais hâte de vous achever, toi et tes amis agaçants. J'espère que vous êtes prêts à y rester. Et sinon, tant pis. Quoi? Qui ose? Cible confirmée. Mode d'extermination enclenché. Châtiment inévitable. Oh, Omega! Enfin, tu nous rejoins. C'est génial. Ces insectes agaçants ne cessent-ils donc jamais? Je vais réduire votre résistance en cendres, et vous en même temps. Oh, attends, tu plaisantes, là? Ce truc fait partie des effets spéciaux, pas vrai? Non, malheureusement. Tant qu'on est sous l'emprise du Rubis Fantôme, tout ça, c'est la réalité. J'arrive pas à y croire. On peut pas gagner contre un truc pareil. Le soleil va bientôt s'effondrer sur vous tous. Boum ! Terminé ! Vos misérables vies touchent la fin. Regarde, il se passe quelque chose. Eggman avait parlé des prototypes de Rubis Fantôme. Fais-moi voir ça. Oh ! Waouh ! Donc c'est vrai ! Il disait que les prototypes de Rubis Fantôme ne réagissent qu'au contact de celui qui les a activés. Donc, ça doit être toi. C'est sûrement ton courage et ton héroïsme qui t'ont permis de l'activer. Et avec un peu de chance, ton prototype te permettra de faire disparaître ce soleil. Acceptez votre destin, car vos vies touchent à leur terre. Trois, deux, un... Zéro! Quoi? Le soleil, il a disparu! Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Impossible! Je croyais tous les prototypes détruits! Une négligence fatale, docteur. Voilà pourquoi je vérifie toujours tout, comme tout bon scientifique. Je crois que la roue tourne, les amis. C'est enfin l'heure de reprendre l'avantage et d'aller botter des fesses. Ça a dû utiliser une tonne d'énergie. Le Rubis Fantôme devrait être plus faible maintenant. C'est notre seule chance de vaincre Infinity. À tous les vaisseaux, aidez Sonic et les autres. Attirez l'attention de l'ennemi et protégez-les des dégâts. Attention, tout le monde maintient son altitude et en formation serrée. L'équipe de Sonic est notre dernier espoir. On doit les protéger. Le vaisseau 3 vient de recevoir un coup direct sur le pont. Il se replie. Le vaisseau 7 a été criblé de tir. Évacuez le vaisseau. À tout le monde. Évacuez ! Navré, Sonic. On a fait tout ce qu'on a pu. Bonne chance. Vous avez déjà fait un super boulot, on s'en occupe du reste. Pitoyable petit Iris. Même si le Rubis Fantôme est affaibli, j'ai encore un
assez de force pour te réduire en joli bout. Je vais te montrer que tu ne fais pas le poids. C'est plutôt à toi de suivre la cadence, sinon tu vas rester sur la touche, Infinite. Quel mot veux-tu sur ton épitaphe? Que dirais-tu de Sigil le Bouffon? Et pourquoi pas Sigil le Clown masqué? Autant l'aggraver pour la personne qui va en avoir besoin, hein? C'en est fini de toi, Sonic. L'énergie du rubis fantôme est rechargée. Tu vas périr avec tes pitoyables amis. Toi. C'est grâce à mes amis que je suis là, et c'est tous ensemble qu'on va gagner. Invincible. Eh non, Minable. Ce qui est invincible, c'est le cœur, l'âme et les liens de l'amitié. Trois choses qu'il vous manque à toi et tes répliques. Non. Une seconde. Je peux encore me battre. Hein? Tu ne manques jamais de me surprendre, Sonic. Je ne pensais pas qu'Infinite perdrait. Mais crois-moi, la victoire sera bien douce quand je t'aurai vaincu. Ne t'imagine pas que c'est terminé, petite vermine bleue. C'est seulement l'heure des prolongations. Le signal du rubis fantôme se dirige vers le réacteur. Dépêchez-vous ! Le réacteur est au plus profond de la forteresse. Mais le système de défense est dur à pirater avec les moyens normaux. Heureusement qu'on n'est pas normaux, alors. On va trouver un passage. Alors c'est là qu'Eggman a conçu Infinite. C'est tellement triste. Quel endroit isolé pour être mis au monde. Le réacteur est tout prêt. Vite! On s'en charge. C'est parti! Enfin, ça y est! Ils l'ont fait! Ils ont vraiment réussi! Je prendrais bien une pause là tout de suite. Je me sentirais mieux quand on aura réduit ce truc ensemble. C'est l'heure de rentrer. Tout le monde nous attend. On a réussi. L'armée d'Eggman est officiellement anéantie. On a gagné. C'est pas vrai. Quoi encore? On pourrait pas juste gagner et que ça s'arrête pour de bon? Regardez. Le réacteur de la forteresse n'était qu'un leurre. Un vrai joueur garde toujours ses atouts cachés jusqu'à la fin. Sonic, qu'est-ce qui se passe? Hein? Y'a pas moins d'ennemis, y'en a plus. Quoi? Comment est-ce que c'est possible? Des témoins confirment la présence de Shadow, Metal Sonic, Zabok, Chaos, Infinite. Ils sont des milliers. Qu'est-ce que t'as fait? Je n'ai fait qu'incorporer le rubis fantôme dans ce robot Death Egg. Mais ça veut dire que le rubis fantôme n'a plus de source d'énergie vulnérable? C'est un rubis invulnérable. Bonne déduction, Terz. Ce robot Death Egg a... Non! J'ai surpassé Infinite pour devenir la version parfaite ultime! Vous allez être écrasé par ce robot Death Egg alimenté par le rubis fantôme et au final, tout se terminera comme je l'avais prévu! Ton plan va tomber à l'eau comme les autres. Et tu te demanderas une fois de plus comment t'as pu échouer aussi lamentablement. C'est reparti.
recharge le rubis fantôme. C'est de la folie. Aucun outil ordinaire ne peut l'endommager. Vous êtes notre dernière chance. Donne tout ce que t'as, Sonic. Tu seras toujours notre lueur d'espoir. Vas-y, la recrue. Je sais que tu peux réussir. Notre destin est entre vos mains. T'inquiète pas, Tails. Je suis sûr qu'on le reverra un jour. Bon, les gars, il est temps de nettoyer la pagaille qu'Eggman a causée dans ce monde. Et je parle pas de toutes ces illusions qu'il a créées pour nous. On doit remettre de l'ordre dans notre monde. T'as raison. Allez, c'est parti!
Enfin, cette interminable bataille est terminée. Vous avez bien mérité de rentrer et de vous reposer. La résistance n'a plus de raison d'être. Une seconde. On a encore beaucoup à faire. D'ailleurs, c'était que le début. Hein ? Quoi ? Tu nous quittes ? Il y en a qui ont besoin de ton aide ? Bon, d'accord, je vais pas t'en empêcher. Eh ben, le jour où je t'ai rencontré, tu payais pas de mine. Jamais j'aurais imaginé que tu avais autant de courage et que tu tiendrais bon jusqu'au bout. On peut dire que j'ai changé d'avis à ton sujet. Je savais que tu t'en sortirais, nouvelle recrue. Enfin, maintenant, on peut plus dire que t'es une nouvelle recrue. Tu as fait du bon travail. C'est pas comme si tu avais attendu la dernière minute pour te pointer et prétendre que tu allais sauver le monde. Notre bataille est terminée. Et notre résistance touche elle aussi à sa fin. Mais nous, on restera amis à jamais. Il faut bien plus d'une personne pour remettre le monde sur pied. Nous devons avancer main dans la main. Et surtout ne jamais abandonner. Ouais. Hey, alors toi aussi tu t'en vas ? On est sur la même longueur d'onde. Tu vas continuer à aller de l'avant, quoi qu'il arrive, pas vrai ? Toi et moi, on n'est pas si différents. Allez, à plus, mon ami.